Wesh la team, ça va ou quoi? Tranquille, j'espère que tout le monde va bien après cette longue, trop longue trêve internationale qui ne sert strictement à rien, à que dalle. Surtout, je parle surtout des matchs amicaux. Voilà, donc avant de commencer cette vidéo de pré-match pour le prochain match du Paris Saint-Germain, je tiens à poser un petit coup de gueule. Marre de ces putains de matchs amicaux de merde qui fatiguent nos joueurs, qui blessent nos joueurs. Voilà, Neymar blessé, Mbappé blessé. On ne sait pas s'ils vont revenir pour les matchs ou pas. Qu'ils ne reviennent pas contre Toulouse, ce n'est pas trop important, mais... J'espère vraiment qu'ils vont venir pour le match contre Liverpool parce que c'est le match vraiment le plus important qui nous arrive là bientôt. C'est un tournant, c'est où on gagne et on va en Ligue des Champions, soit on le perd et on reste à la maison, je veux dire on se barre en Ligue Europa. Donc il y en a marre, toutes les années c'est toujours pareil. L'année dernière Neymar se blesse, on avait besoin de lui pour un match important, il se blesse, là c'est pareil. On va espérer que ce ne soit pas trop grave. Je crois que c'est les adducteurs. On va voir. Mbappé, c'est l'épaule. Bon, on va voir. On va voir ce que disent les médecins. J'espère franchement qu'ils seront rétablis tous les deux pour Liverpool. Voilà, donc marre de ces matchs amicaux qui ne servent à rien. Trop de matchs de merde. Franchement, que l'UEFA devrait interdire ces matchs-là avant les grosses rencontres en Ligue des Champions. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule. Sinon, donc prochain match du Paris Saint-Germain contre Toulouse. Voilà, on reçoit les saucisses toulousaines au Parc des Princes. Un match évidemment à gagner pour continuer notre invincibilité en Ligue 1. Donc moi je pronostique un petit, même sans Neymar, même sans Mbappé s'ils ne seront pas là. Si jamais ils ne sont pas là, pardon. Je pronostique, allez, on va dire un petit 3-0. Voilà. Un petit 3-0 pour Paris au Parc des Princes contre les saucisses toulousaines. Sur ce, la famille, j'ai pas plus à dire. Juste une chose, un seul cœur, un seul club. C'est Paris, évidemment. Yes, my friend, et la saga continue, comme d'hab. Et à bientôt. Ah oui, je ne pourrai pas voir ce match car c'est encore un putain de match à 17h. Donc, je serai au taf, donc pas pouvoir faire le débrief. Voilà, désolé. Sur ce, bonne journée. Et bonne soirée. Ouh.